Avant la famille Tutsi, aller voir la famille Hutu, y avait pas le moindre souci, ils se faisaient des poutous. Ils se tenaient par la main, évoquaient des lendemains, parlaient du prix du manioc, prêtaient volontiers leur coque. Mais le monsieur qui vend des canons est venu leur dire non de non. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Tutsis que les Hutus se prennent pour les Manitous, et aux Hutus que les Tutsis ne rêvent que de les voir oxy. Moi je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Une Kalachnikov ou un missile rendent les femmes des ennemis dociles. D'autant que ça n'est pas leurs époux morts qui pourront vous causer le moindre tort. Quand le tonton de Serbie allait chez le tonton Kosovo, ils échangeaient leurs brebis, ils se vendaient des petits veaux. Et leurs enfants s'aimaient bien, ils se tenaient par la main, ils se baignaient dans le Danube, écoutaient les mêmes tubes. Mais le monsieur qui vend des canons a dit c'est fini, nom de nom. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Serbes qu'un Kosovar ça vaut pas un pet de canard. Il y a un slogan qu'on applique, purification ethnique. Moi je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Avec le Coran ou l'Évangile, on obtient de jolies guerres civiles. Vous pouvez mettre à sac les maisons sans pour autant risquer la prison. Quand le grand-père irakien et le grand-père iranien troquaient leurs tapis anciens, le pétrole ne valait rien. De Téhéran à l'Euphrate, on se partageait les dattes. Contre un sac de haricots, on louait son bourricot. Mais le monsieur qui vend les canons a dit battez-vous car sinon mes blindés, mes bazookas vont me rester sur les bras. Irakien, il est grand temps d'annexer le Khouzestan. Et toi l'Iranien, j'espère que tu ne vas pas te laisser faire. Moi, je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Vous aurez des femmes en ribambelle, et bien entendu même les pucelles, qui dans vos bras se retrouveront nues, n'iront sûrement pas se plaindre à l'ONU.